Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il y a beaucoup trop de soleil. Énormément trop de soleil. Bah oui, qui dit soleil, dit réchauffement de l'air et donc une putain de chaleur à supporter autour des 34 degrés Celsius. Qui dit chaleur, dit aussi humidité, hein, mais attention, pas que sur les murs, hein, sur nous aussi. On peut pas passer une journée sans avoir de la transpiration bien dégueulasse qui rend le corps tout crasseux toute la journée. Oui, mais attention, la chaleur a ses avantages et son charme, hein. Premièrement, la chaleur rend ton corps tout collant. Il fait chaud... Putain... J'en ai marre. Ça veut dire... Maman, t'as mis où mon masque de Spider-Man ? Eh oui, un rêve de gosse qui se réalise. Deuxièmement, la chaleur permet de t'endormir beaucoup plus facilement. Toi, c'est il fait chaud là ? T'es je cuis plus comme moi là. Et troisièmement, bah t'as le sauna gratuit ma gueule. Attends, c'est bueno quand même. Faut en profiter. La chaleur, je la trouve pas sympa quand même. Parce que j'ai beau me programmer plein de trucs à faire dans la journée, elle va tout niquer. Tout, tout. Par exemple, prendre mon petit déj, ranger la maison, ranger le jardin. Faire mes devoirs. Faire du sport. Au final, la chaleur, c'est le meilleur moyen de finir comme ça. Ou comme ça. Ou encore comme ça. Mais même en sirotant un bon jus de fruits comme ça dans ta cour, il reste un hic. Hein. Ne crois pas que tu vas rester seul comme ça, tranquille, pensaïque dans ta cour. Eh non, les moustiques vont venir te faire chier. Bon, ça va, la journée, on peut les voir arriver, calculer la trajectoire et les niquer à coups de raquette de badminton. Oui, bon, je sais, c'est la seule arme que j'ai trouvée pour me défendre contre eux. J'arrive pas à... Bon, en général, ce sont les touristes hein, qui sont concernés par ce fléau des moustiques, vu qu'ils ont la peau tendre, juteuse. Parfait pour les moustiques, quoi. Mais bon, même pour les réunionnais, hein, il fait chaud, donc on se met en short, on range les pantalons, et donc les parties les plus vulnérables sont les jambes. Sauf quand on a une barrière infranchissable pour ces moustiques de merde. Je parle donc des poils. Des poils, et oui. Donc là, j'emmerde tous ceux qui se sont rassés pour farner leur devière. Et à un moment, il faut plus déconner quand même, hein. Tu te dis, je vais me lever, je vais aller marcher, je vais aller faire du sport, je vais aller faire une randonnée. Ouais, hop, une petite randonnée aujourd'hui, ça va faire du bien. Et donc, tu prévois toujours une petite bouteille d'eau à mettre dans ton sac. Oui, parce que c'est l'été, il fait chaud, il faut penser à s'hydrater. C'est la période de l'année, à mon avis, où tu bois le plus d'eau de ta vie. Personnellement, moi, en règle générale, j'en prévois au moins deux de bouteilles. Une glacée, fraîche, et une normale. Une bouteille glacée, une bouteille d'eau. Allez, c'est parti. Il fait chaud, hein, donc t'as soif. Mais 99% de la bouteille, tu vas te la foutre sur la tronche comme ça. Quoi, fait chaud, hein, 9 km. Reste plus que deux. Oh, putain, chaleur de malade. J'ai soif. On va se réfléchir un coup, là, hein. Oh. Et tu auras plus rien à boire. Et la bouteille normale, elle a chauffé. Il t'aura plus trop envie de la boire, donc tu vas la balancer. Là, il m'en reste une bouteille. Bon, ok, je vais crever de soif dans la forêt à 90 km de mon habitation. C'est cool la vie, ouais. Mais attention, hein, je parle de l'eau, je parle des boissons. Ça marche aussi avec la bouffe, hein, les chocolats, la glace. T'en prends un, 2 secondes dans ta main de chocolat. Et ça fond le truc, ça tient même pas.
3 secondes, c'est bon, c'est fondu. T'as plus rien. Ça marche également avec le ventre, hein, bah oui. Par exemple, moi, avant de rentrer en été, j'avais une de ces tablettes de chocolat, les filles. Je peux vous dire que Lindt et les autres producteurs de chocolat, ils faisaient pas le poids à côté, hein. C'était des petits joueurs. Sauf que là, c'est l'été, il fait chaud, flébardise, pas de sport, et donc, ma tablette s'est transformée en mousse au chocolat. Bon, cela dit, le chocolat est toujours là, pas sous la même forme, mais vous pouvez toujours en profiter comme vous semble. Voilà, l'annonce est passée. Forcément, avec cette chaleur, tout le monde cherche à se rafraîchir. Et qui dit chaleur, dit l'utilisation du fameux ventilateur, sauf que le mien est mal lâché. Donc maintenant, le seul truc que j'ai trouvé pour me rafraîchir, c'est de chercher les moindres surfaces les plus fraîches qu'il puisse y avoir, et je pose ma tronche dessus comme un gros porc, quoi. On peut utiliser des verres. Un miroir. Putain, il fait chaud, je vais aller faire un tour dans la salle de bain là. Oh, vous avez vu ces bégés là? Tu veux pas qu'on embrasse? Oh, mais t'es froid. Oh. Le carrelage. Oh, ça fait du bien. Nique la chaleur. Oh, non, non. Ou après on a le traditionnel tuyau d'arrosage dans la cour, on va se balancer de l'eau partout dessus, c'est trop chouette quoi. Mais il y a un petit souci qui dit chaleur, qui a besoin de se rafraîchir, mais pas que toi, les plantes aussi en ont besoin. Pendant quelques jours il ne pleut pas, la terre s'assèche, les arbres aussi. Mais il y a aussi ton père. Ouais oui. Toi qui tout mon. Ah oui, pas être dans l'eau, c'est comme ça, toi, mon tout petit doigt, gaspille de l'eau comme ça, hein. Oh, mais pas de l'eau, ça avec, hein. Hein, ah, gaspille ça comme ça, donc. Donc au final, je profite pas trop du tuyau d'arrosage et donc je. C'est chaud, quoi. C'est un peu la journée. Donc si toi aussi t'es touché par la chaleur, si toi aussi la chaleur te fait chier, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si toi aussi t'as des poils et que tu peux combattre les moustiques, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et si t'as les deux, abonne-toi, mon sauce.